Donc c'est Jojo qui a toujours les loulous. Parce que moi j'ai un peu les mains prises avec les deux caméras en fait. Donc il faut faire avec. On ne peut pas tout faire, j'ai que deux mains. Un joli petit jardin là. Alors là-bas c'est le Roc aux Sorciers. Alors, je ne sais pas encore ce que c'est. On ira voir ça tout à l'heure. C'est joli comme tout. Je vais aller chercher du pain. Donc quand vous arrivez au niveau de l'Anglin, vous suivez Roc aux Sorcières. Parce que si vous vous aventurez dans le village, ça ne passera pas. C'est tout en marche arrière et c'est très compliqué. Donc bien de se garer là-bas. Bon, c'est joli, hein? Je dis c'est joli. Ouais, c'est joli. Ouais. Superbe. Un beau village. Très beau. Donc on arrive par la rue qui est là. Et après on monte un espèce de petit lacet là qui est assez... Enfin, faut pas rencontrer un quart de tourisme. Hein. Bon, sinon vous faites marche arrière. Là il y a des courageux qui veulent descendre par ici, mais ça me paraît un petit peu compliqué. Au niveau des jambes, C'est fort joli. Là, il y a la ville basse. Et là, on est sur la ville haute. Donc, il y a le château, là-bas. C'est vraiment, vraiment joli. J'étais très étonnée parce que sur la place de village, ils vendent des huîtres d'Olus d'Oléron. Bon, on n'est pas super loin, mais bon, on n'est pas super près non plus. Juste là-bas. Et voilà, donc c'est fort joli. Donc là on va vers l'air maintenant. Donc faut prendre cette route là, on monte hein, jusqu'à Roc aux Sorciers. Je vous ai mis le panneau et puis après vous redescendez un peu et ça remonte vers le parking. Donc voilà, moi je suis en plein montage. Voilà, donc là c'est en train de... monter et Joël est en train de réviser son code. Voilà, donc c'est un petit peu compliqué parce que, vous voyez, on n'a pas beaucoup de place. Et mon lévrier, bon bah lui, prend la place de son papa. Et Joël est en train de réviser son code. Voilà. Mmh. Donc il travaille avec son casque. Pour éviter de me déranger en fait, hein. Parce que moi je suis en train de faire le montage, voilà comment ça se passe. Voilà. Et c'est branché, donc comme on n'est pas branché hein, au niveau électricité, l'ordinateur donc fonctionne sur l'Ecoflow en fait, hein, directement. Voilà, donc là il reste 73%, ça prend 110. Voilà. Donc ça sert aussi pour recharger les petits micros Rode, hein, évidemment. Donc là j'ai fait la deuxième boîte hein, qui est ici. Donc là il y aura une petite décoration, certainement une petite plante. Donc ça sert pour les mouchoirs en fait. On met les... Ah, ma main qui fonctionne pas bien. Donc enfin on met des mouchoirs dedans. Et donc pour les petits lierres, c'est un grand ruban que j'ai acheté chez Action. Ça se vend dans un petit sachet, c'était 2 € je crois. Et puis ça fait 2,50 m, 3 m, et j'en ai mis un petit peu partout. Donc j'en ai mis en fait ici, parce que je trouve ça joli, ça manque un petit peu de verdure. Donc j'ai mis des petits pots. Donc là pour l'instant il y a un petit troisième, j'avais mis une petite déco mais on l'a enlevé. Et c'est des petites plantes hein, que j'ai achetées aussi chez Action. Et ça c'est très vieux. Donc il est un peu moche en couleur, hein. Bien que je l'ai nettoyé mais non repeint. C'est quelque chose qu'on s'est acheté avec notre premier camping-car, la première décoration. Donc ça a 25 ans. Donc c'est pour ça qu'on le laisse à l'intérieur. C'est un petit peu passé. Mais on aime bien en fait quand voilà, je veux mettre un petit peu de rouge à lèvres. Bon bah ça permet comme ça avec la lumière de dehors, parce que c'est toujours le problème, un peu la lumière quand on se met un petit peu de maquillage. Donc voilà, la déco est presque terminée. Donc au bout de... Là le pépère il a eu 22 ans, là le 2 janvier. Et bon la déco est presque terminée. J'ai rajouté ça aussi. Donc vous voyez, c'est pareil, je l'ai acheté chez... Ça c'est pas moi qui l'ai fait, hein. Bon, moi j'ai rajouté juste ça. Et ça, j'ai payé ça, je sais plus, de 3-4 € chez Action aussi. Alors c'est pareil, c'est un clin d'œil à la lavande avec ce tableau. C'est un des premiers tableaux qu'on a acheté dans Baroudeur 1, qui était tout en intérieur bleu en fait, bleu comme ça. Et c'était le cadre qu'on a gardé. Et ça c'est la sorcière que vous avez vue dans une vidéo qu'on a acheté à Riquewihr, hein, puisque c'est un peu la ville... la ville des sorcières. Voilà. Allez, je vous fais des bisous. Tú eres cariño, yo no lo puedo.